Avant de vous expliquer comment on connecte l'imprimante en Wi-Fi, il faut tout d'abord que vous fassiez la démarche de la brancher en USB. Donc vous installez le logiciel en mode USB. Une fois que vous avez fait cette démarche, vous relancez le logiciel et au moment où il vous demande donc connexion USB ou alors connexion réseau sans fil, ce qui veut dire Wi-Fi, là vous choisissez Wi-Fi. Vous faites bien attention que votre imprimante soit branchée en USB sur votre PC, c'est très important. Vous appuyez sur Suivant après avoir choisi Connexion réseau sans fil. Et là ensuite, après, vous suivez la démarche tranquillement. Et là, vous allez voir apparaître votre imprimante. Moi, c'est marqué MG3000 série. Plus le numéro de série, l'adresse IP, l'adresse MAC que j'ai flouté. Alors là, vous choisissez votre imprimante, vous cochez. Et ensuite, vous appuyez sur Suivant. Et là, il installe le driver tranquillement. Après, le logiciel vous demande si vous voulez aligner les têtes d'impression. Vous pouvez le faire si vous voulez. Moi, je le fais simplement quand ça imprime mal, en dépannage. Voilà, donc vous appuyez sur Suivant ou alors Exécuter selon votre choix. Et ensuite, il vous demande si vous voulez que cette imprimante Wi-Fi soit l'imprimante par défaut. Moi, j'ai mis oui, comme ça, je n'ai pas à la chercher. Vous arrivez à la fin de l'installation. Et là, il vous demande si vous voulez installer de nouveaux logiciels. À vous de voir. Vous n'êtes pas obligé de cocher. Moi, j'ai tout coché. Après, vous appuyez sur Suivant. L'installation continue. Ensuite, il vous demande de vous enregistrer. Alors, vous pouvez le faire tout de suite ou vous pouvez passer. Moi, j'appuie sur Passer. Je m'enregistrerai plus tard. Et voilà, le mode Wi-Fi est installé. Après, pour être sûr que ça ait bien marché, vous faites un essai. Et surtout dans ce cas-là, n'oubliez pas d'enlever le fil USB de l'imprimante. Si jamais ça ne marche pas, vous recommencez l'installation par-dessus. Pas besoin de désinstaller tout. Et ça devrait marcher. Et si ça ne marche pas encore, alors vous désinstallez et vous relancez. Mais normalement, il n'y a pas de souci. Enfin, moi, je n'ai eu aucun souci. Voilà, j'espère que je vous ai aidé. Je vous dis juste ce qui a marché pour moi. Après, je ne peux pas vous dire si c'est exactement le problème que vous avez, vous. À vous de juger s'il faut faire la manœuvre ou pas. Au revoir.